Bien le bonsoir mes chers spectateurs, on se retrouve donc pour la suite des vidéos Turbo Overkill sur l'épisode 2, et cette fois-ci on part sur Terratech Factory. Hop, Murder Machine. Je préfère prouver à chaque fois que je fais ça parce que en soi si je tournais toutes les vidéos le même jour par exemple je pourrais mettre secteur suivant, c'est pour prouver que je fais bien comme il faut, mais vas-y flemme, hein. De toute façon ça fera très peu de vues malheureusement, même si ce jeu est incroyable. Je vais taguer le créateur à chaque vidéo, hein, qui voit qu'il y a des gens putain qui s'amusent. Il joue à la DS. Putain, j'avais oublié cette cinématique. Hop là. Oh, bah j'ai le boyau là. Ah bah voyons. Hop là. Attends, j'ai perdu un doigt, non? Maman robot, elle a un doigt en moins, je crois. Hop là. Ok, on arrive dans les bureaux de Terratech. Oh, dès le début, frère, sérieusement. Dès le début, sérieusement. Ok, je vous emmerde. Bon, si j'avais été en live, je vous aurais dit quel sera le sort de ces petits robots. Mais là, je le décide moi-même. Dans ta gueule. Là. Chemin, c'est par là. Obviously que c'est par là, putain de merde. Désolé pour la grossièreté. Sérieusement, j'ai pas le turbo mode. Mais écoute, on fera ça sans turbo mode. Boom. Hop là. Alors si vous ouvrez ça et que si vous avez le grappin, il y a un secret en haut. Et le grappin, comment on récupère après? Enfin, je l'ai, mais tu vois, je m'en sers très peu d'ailleurs. Ah, je me suis trompé, je pensais que le groupe d'ennemis était avant. Ok, là ça va être chiant. T'es où, frère? Eh ben merde, ça commence bien. Le problème c'est que la manière de le plus rapide de les tuer, bah, c'est justement avec son... Non, j'ai fait péter ça. Non, c'est bon, ça va pas péter les autres. Allez, 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 oui. Ok, bon je me suis bien démerdé finalement, je m'attendais pas à démerder si bien. Yo. Petit secret par là aussi, je crois. Ah, j'aime pas ici. Bon, y'a rien de spécial, hein, vraiment, mais j'aime juste pas en fait. Bon. Merde, faut que j'aille où déjà? Attends. Oh, si, faut juste que j'aille là en fait, je suis juste con. Hop.
Aïe. Le problème de ces conneries, c'est que même si je les tronçonne, elles arrivent quand même à me toucher, quoi. C'est déjà de mourir, merci. N'est-ce pas, monsieur? Merci. À travers le mur aussi, hein. Je dirais rien. Ah, mais il y a une cassette là, j'ai oublié. Ah là là. Ah, donc vous êtes là pour me redonner de la vie, hein. Vous aimez bien, vous. Je tiens à préciser toujours, hein, que c'est une amélioration pour redonner la vie, hein. J'espère que vous alliez pas genre dans une map et puis vous tronçonnez les gens et vous dites mais pourquoi ça remet rien. Alors voilà, si je vais voir Splice, donc j'ai mis ça, 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 et ça. Voilà. Comme ça vous avez mes améliorations. Viens, dégage. Merci messieurs. Aïe. J'ai tiré à côté. Et en plus ils explosent quand tu les tues, quoi. C'est ça qui est chiant. Et deux mourir, monsieur, merci. Bam. Oh shit, bro. Finalement, là, c'est très simple en fait d'accéder à la chip qui est derrière. Voir, vous faites une glissade, ça passe. Ah. Celui-là, je l'aime bien, celui-là. Enfin, comme ça, il a l'air méchant, mais moi, je l'aime bien. Vous allez voir pourquoi. Regardez ce qu'il y a à faire. Hop, tu sautes. Non. Ouais. Dong. Hop. Voilà. En fait, vous lui renvoyez sa boule dans la gueule. Et ça lui permet... Et du coup, il a un HP après. Oh, tu es mon ami. Enfin, un truc comme ça, il dit. Sois pas timide, je ne mords pas. Ah, somme. Il meurt quand même. Hop là. Finalement, il m'a mordu, ce con, hein. Hein. Et du coup, maintenant, je peux faire ça. Youhou. Youhou. Personne. Attends, je viens de là. Ouais, il doit y avoir un secret là-bas. Attends, j'ai quoi? Oh, mais je les ai tous de toute façon. C'est bon. C'est R, j'ai tendance à presque appuyer sur E. Ah, ah, ah. Vous voulez pas crever? Frère, t'as les boyaux à l'air. Alors là, il se recharge très vite sur les obstacles comme ça, mais par exemple sur les roquettes. Ah oui, je l'ai déjà fait, je crois. On peut tirer une roquette et hop là. Regardez, le temps en bas, il met beaucoup plus de temps à se recharger. Je vais récupérer la clé Teratech, mais non, mais j'en veux pas de la clé Teratech. Faut que je... Ah, c'est vrai, j'ai la clé rouge. Allez! Thank you.
C'est bon, t'es mort. Eh ouais, quand il se prend son propre coup dans la gueule, ça fait mal, hein. Allez. Ah ouais, tu vois, ça fait mal, hein. D'abord, je kiffe cette mécanique du canon à plasma. De leur renvoyer dans la gueule leur propre truc là, ça me... Ah, je kiffe cette mécanique. Aïe. Mais je pensais que ça allait les tuer. Oh, mais je respawn là, sérieusement. Allez. Allez, j'ai plus de fils. Ça, t'es capable de traverser le mur aussi, hein, je dirais rien. Ah, voilà. Ça me permet de me remettre hyper bien, et en plus ça tue tout le monde. Que demander de plus que les micro-missiles plus le turbo-mode? Franchement, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Donc là ça va être parcours, hein, évidemment. Parcours. Voilà. Hein, c'est bon. J'aurais bien voulu lui renvoyer ses missiles dans la gueule pour voir l'effet que ça avait, mais bon. Juste lui renvoyer ses petites balles. Secret là, évidemment. I watch you, unblinking. I see your rage, and I do not turn away. I see your tongue rendered silent. I see the screen trapped within you. On s'en branle de ce que tu racontes. Become one with infinity. Your sin with infinity. And I will give you a voice. Mais oui, évidemment, je vais donner une voix. Together with me. Oh non, pas là. Ça, c'est les casse-couilles de service, ceux-là. T'es loin, ils t'envoient une onde de choc. T'es proche, ils se mettent à faire Beyblade. On va pas enlever dans la gueule des autres aussi. Ce qui, je trouve, est plus efficace. Wout, wout, wout. Merde, c'est où? Là. C'est vrai qu'il y en a deux. J'avais oublié ce détail. Shot, 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 bam. Alors je vous dis d'avant, je suis pas censé non plus l'avoir le sniper. Oh bah c'était le dernier combat. Mais nice, cette mission là c'est beaucoup mieux passé que la précédente d'ailleurs. En combien de temps? Bah ouais, 10 minutes. En fait j'avais mis 16. Mais bref, 100%, 3 sur 3, mais c'est parfait. D'ailleurs ça du coup j'ai pu... Non, ça j'avais déjà au max je crois. Ouais, bon bah c'est carré, écoutez. Hein. J'espère que ça vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à liker tout ça, parce que putain, c'est mentalement cette difficulté est assez dure. Hein.
Là, je me débrouille pas trop mal parce que j'ai fait l'épisode précédent, tu vois, dans la même difficulté, en speedrun, donc, tu vois. J'ai appris un peu les mécaniques, mais là, comme il y a plusieurs nouveaux ennemis, tu vois, c'est chaud. Mais bref, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain, donc pour la suite. Allez, la bise.